Beau matin à toutes et tous, on se retrouve pour le dernier message. Eh bien, de cette semaine, nous sommes le vendredi 15 mars 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, petite philosophie du matin, eh bien là, je vais m'adresser aux addicts de la cigarette. Retarder l'heure de la première cigarette du matin, eh bien, c'est une victoire sur soi-même. En attendant d'en fumer moins pour n'en fumer plus. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, oui, je le conçois. C'est pas facile parce que c'est une addiction et voilà, c'est... Mais retarder l'heure de la première cigarette du matin, c'est une victoire sur soi-même pour arriver à ne plus en fumer. Mais voilà, si vous savez le faire, c'est bien. Et puis je peux comprendre que si vous n'y arrivez pas, j'ai été aussi une fumeuse dans le passé. Donc je sais que c'est une addiction qui est très difficile à s'en défaire, n'est-ce pas Voilà, je ne vais pas dire que c'est mal, que toute addiction est mal, n'est-ce pas? Donc, mais si vous savez le faire, faites-le, parce que bon, c'est pas bon pour la santé, et ça on le sait, moi je le savais aussi, quoique à notre époque, à mon époque, c'était moins que maintenant. Allez, oui, voilà, je ne vais pas épiloguer sur le sujet parce que voilà, je l'ai été, donc je peux comprendre si vous n'y arrivez pas. Alors aujourd'hui, eh bien écoutez, j'ai pigé l'archange Métatron. C'est pas rien, l'archange Métatron, n'est-ce pas? L'archange Métatron, c'est l'élévation, le contact avec la source, le chakra de la couronne. Où se situe le chakra de la couronne? Il se situe, eh bien, au-dessus de la tête, près de la frontanelle, n'est-ce pas? C'est le septième chakra. Donc, l'archange Métatron, ben, c'est pas rien. Ça a été un être humain avec son frère, Sandalphon. Ce sont les deux anges, les deux archanges qui ont été humains. Donc, Métatron est un archange très puissant qui est vraiment à côté de notre créateur, n'est-ce pas? Oui, c'est un archange puissant, c'est le prince de la face, il est l'envoyé de notre créateur. Et d'ailleurs, il est représenté comme le messie chauve à choc, un cheval blanc d'apparence jaune. Il est décrit comme celui, comme suit selon, eh bien, Cornelius Agrippa dans la philosophie occulte, n'est-ce pas? Et oui, il a été un être humain, donc lui, il sait mieux que les autres archanges ce que l'être humain peut penser, peut faire, puisqu'il a été un être humain. Donc voilà. Enfin, bon. L'archange Métatron accueille la puissance de ma lumière violette, telle une flamme divine qui te permet de développer une connexion riche et merveilleuse avec ton âme et l'univers divin, n'est-ce pas ? Les anges et le cosmos. Eh bien, on t'invite à t'ouvrir. Ouvre-toi totalement aux différentes réalités de la vie. Élève, eh bien, tes belles vibrations et expérimente les différents niveaux de conscience qu'il t'est possible de gravir. En faisant cela, eh bien, ce bel archange Métatron, il t'accompagne sur le chemin de ton éveil, sur le chemin d'amour, car il connaît les plans divins. Et
Il t'invite à ouvrir ta conscience pour effectuer, eh bien, les bons choix qui respecteront le plan de ton âme. Sois correct dans les choix que tu vas faire aujourd'hui, demain. Il faut que tu restes correct. Pour d'autres, eh bien, on te demande d'accueillir cette ouverture de la spiritualité et de tes dons que tu as psychiques. On te dit que tu possèdes de magnifiques facultés extrasensorielles, car ton origine est divine, comme tout à chacun. Alors, eh bien, accueille la lumière de l'amour inconditionnel. Ouvre-toi à la magie et au mystère de la vie. Et c'est ainsi que tu pourras voir, eh bien, ta destinée et les événements de la vie sous un jour nouveau, sous un nouvel angle, d'un endroit plus élevé, plus haut, et tu deviendras, comme ça, un observateur de ta vie. Si maintenant tu es dans une difficulté, demande à l'archange Métatron de t'aider. Demande pour avoir un signe. Demande qu'est-ce que je dois connaître aujourd'hui pour avancer dans cette problématique ou pour avancer dans le cheminement de ma vie. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Archange Métatron, aide-moi, montre-moi, dis-moi qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour continuer, eh bien, mon cheminement. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour concrétiser quelque chose que je veux mettre sur pied. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir au niveau professionnel? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir au niveau sentimental? Montre-moi, Archange Métatron. Vous savez, si vous ne demandez pas, il n'y a rien qui se passera. Vous pouvez vous élever très haut avec Métatron, n'est-ce pas? Et n'ayez pas peur de lui parler de vos inquiétudes. Il saura, eh bien, vous guider si vous lui demandez. Eh bien, c'est magnifique, on termine avec l'archange Métatron. Moi, je termine avec l'affirmation positive. Plus j'apprends à me connaître, eh bien, plus je me sens bien avec moi-même. Sur cette belle affirmation positive, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end, et puis on se retrouve eh bien, dans une prochaine capsule, et d'ici là, eh bien, portez-vous bien, riez, soyez heureux, soyez dans cette joie de vivre. Je sais, c'est pas facile tous les jours, mais mettez de la joie dans votre vie, mettez des belles énergies dans votre vie. Allez, je vous embrasse tout fort et puis à très vite.